question de l'eau, effectivement, le rôle central des Alpes s'affirme sur la question, dans les enjeux européens. À travers l'eau, on se rend bien évidemment compte que les Alpes sont un carrefour, un lieu de ressources important, mais aussi un lieu de vie. Et donc, à travers ce sujet, on doit effectivement considérer les spécificités de ces régions de montagne, ce massif alpin, cet arc alpin, mais également réussir à intégrer, à adapter un certain nombre de grands enjeux européens à notre contexte particulier des Alpes. C'est important et le projet CHER justement permet d'avancer concrètement sur une adaptation, une mise en cohérence des politiques européennes par rapport aux Alpes à travers ce double engagement à la fois de l'écosystème, de l'eau, de l'environnement vivant, mais également de la production d'énergie, d'énergie renouvelable. Et ça, c'est bien un des deux, c'est deux des grands enjeux des Alpes pour l'Europe. Cette ressource importante pour l'Europe donne aussi une responsabilité importante pour les populations alpines. Et que cette responsabilité, elles doivent apprendre à la gérer, elles doivent apprendre à considérer cette responsabilité européenne que les Alpins portent. L'hydroélectricité est effectivement un enjeu très important pour les Alpes parce que c'est la principale source d'énergie renouvelable qu'on trouve au niveau européen. Et l'hydroélectricité est effectivement une des composantes les plus importantes de la production d'énergie dans les Alpes. C'est une énergie d'avenir pour atteindre les objectifs fixés par le paquet énergie-climat en 2008 de 20% d'énergie, de sources d'énergie renouvelable en 2020. Et on sait qu'on ne pourra pas atteindre cet objectif de 20% si on n'a pas d'hydroélectricité dans ce mix énergétique. Et puis c'est un enjeu ancien dans les Alpes. C'est un enjeu qui a beaucoup structuré les territoires alpins, tant au niveau économique que social ou environnemental, notamment sous l'aspect paysager. Et donc cette question de l'hydroélectricité, elle est au cœur du projet d'avenir des Alpes, et elle est au cœur du projet d'avenir européen. Donc l'hydroélectricité est encore un potentiel à développer dans les Alpes, elle a encore des ressources à utiliser. Pour autant, nous devons absolument considérer le cadre contraignant que représente la directive cadre européenne sur l'eau, qui du coup est plutôt là pour nous aider, nous accompagner dans la préservation du bon état écologique de l'eau, du bon état de l'eau de façon générale. Et donc, cette double contrainte, nous devons trouver des solutions, nous alpins, nous devons trouver des solutions pour réussir à rendre tout cela compatible. L'histoire des Alpes s'est largement structurée autour de l'eau, autour des cours d'eau, autour des rivières, des torrents. Elle s'est structurée, cette histoire de l'eau et des habitants, de façon écologique, environnementale bien évidemment, mais aussi au niveau des activités économiques et également au niveau des activités administratives ou politiques. On sait que de nombreuses communes sont délimitées par leurs cours d'eau. Elle est donc très importante, cette question du lien entre la population permanente, la population, les habitants des Alpes et l'eau. On sait également que cette eau, elle a souvent été dans de nombreuses vallées un élément longtemps abondant, qu'on a considéré plus comme un aspect de risque naturel notamment, à travers les crues, à travers les avalanches, sous la forme de neige, ou les contraintes liées à la présence de glaciers. Aujourd'hui, cette ressource en eau, elle est toujours aussi importante. Elle est aussi une façon finalement de comprendre comment fonctionne la société montagnarde, avec à la fois une composante agricole qui a toujours beaucoup besoin d'eau, une composante touristique forte avec évidemment la neige, et aujourd'hui la neige de culture, la neige de production, mais également les activités d'eau vive, les activités touristiques ou thermales de façon plus générale, qui est une composante importante de l'économie alpine. Et puis bien évidemment, l'eau, elle apporte beaucoup en matière d'énergie, grâce à l'hydroélectricité, mais en même temps, elle apporte aussi beaucoup en eau potable pour les populations alpines et pour les touristes qui viennent, mais aussi eau potable des grands centres urbains. On a donc là, effectivement, beaucoup d'activités qui peuvent être potentiellement en conflit les unes avec les autres. En tout cas, c'est un élément qu'il faut considérer dans nos travaux et dans nos réflexions institutionnelles, au sens large, pour mieux organiser l'utilisation de la ressource en eau. On voit que l'importance des usages de l'eau en montagne a évidemment créé, comme on le voit bien quotidiennement, des conflits. Et ces conflits, la société montagnarde a souvent imaginé des gouvernances originales pour pouvoir les régler, pour pouvoir rapprocher les gens, pour que justement les différents intérêts se rencontrent. Aujourd'hui,
Cette gouvernance, elle est en difficulté par rapport aux enjeux européens, aux enjeux institutionnels, nationaux ou régionaux, mais elle est également en difficulté parce que le système de décision est de plus en plus complexe. Les informations nécessaires pour comprendre les choses, pour respecter notamment les enjeux environnementaux ou les enjeux de production d'énergie, sont de plus en plus complexes à intégrer. Et c'est bien ça l'enjeu finalement de ce projet, c'est de réussir à aider à la décision, aider les autorités à organiser mieux la gouvernance de leur territoire, le gouvernement de leur territoire, pour justement respecter les intérêts des uns et des autres au sein même de leur territoire. Mais au-delà de ça, il y a un autre conflit qui est de plus en plus sensible, de plus en plus important, c'est le conflit entre l'amont et l'aval, entre les enjeux des grandes métropoles, hein, dont on connaît bien la présence autour des Alpes, autour de l'arc alpin, et puis les enjeux, les intérêts finalement, des populations de montagne. Et il y a donc là un enjeu très particulier à organiser, une gouvernance très particulière à organiser entre l'amont et l'aval, et le respect de l'intérêt des uns et des autres. Là encore, le projet CHER permet d'avoir un destin partagé entre l'amont et l'aval et entre les populations de montagne avec leurs différents intérêts internes. Landschaften sind äußerst komplexe und dynamische Ökosysteme, die wegen ihrer Vielfalt an unterschiedlichen Lebensräumen auch eine hohe Biodiversität an Pflanzen und Tieren auszeichnet. Diese sind in den Alpen durch eine Vielfalt von anthropogenen Beeinträchtigungen verändert und es gibt nur mehr ganz wenige Flussabschnitte über die Alpen gerechnet. Die größeren Flüsse werden so an die 10-15% noch eine gute ökologische Qualität, einen guten ökologischen Status haben. Verzweigte und gewundene Flussabschnitte sind verglichen mit der ursprünglichen Situation überhaupt nur mehr im Prozentausmaß vorhanden. Und aus diesem Grund ist es besonders wichtig, intakte und noch natürliche oder naturnahe Flussabschnitte zu schützen, unter Schutz zu stellen und auch die Realisierung von Renaturierungsprojekten voranzutreiben. Die Ökosystemleistungen, die einem Flusssystem zugesprochen werden, sind auch sehr vielfältig. Auf der einen Seite ist es die Biodiversität, also die Artenvielfalt an Pflanzen und Tierarten, die da vorkommen, aber es ist natürlich auch ein Landschaftswert, ein Empfindungswert dieser Flusslandschaften, ein touristischer Aspekt, der besonders in den Alpenländern von Bedeutung ist und eine Reihe anderer Leistungen, die diese Flusssysteme vollziehen müssen, zum einen Trinkwasser zu bereiten, Kontakt zu Grundwasser herzustellen, also ein Austausch, ein Transportsystem, das heißt Sediment muss von oberen Lagen in tiefere Lagen verfrachtet werden. Also der Fluss übernimmt eigentlich sehr viele Aktivitäten, die sonst niemand oder der Mensch dann machen müsste. Auf der anderen Seite hat ein Fluss auch einen ökonomischen Wert, also wirtschaftlichen Wert. Fische zum Beispiel, die Fischproduktion, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Wasserkraftnutzung und andere Bewässerung zum Beispiel von landwirtschaftlichen Flächen. Und wenn man jetzt die Multikriterienanalysen heranzieht, dann ist das ein sehr brauchbares Instrument, um möglichst viele dieser Ökosystemleistungen in einem modellhaften Verhalten darzustellen und den Entscheidungsträgern Hilfe, Werkzeuge in die Hand zu geben, um zu einem richtigen Ausgang dieses Problems zu finden oder zur Lösung dieses Problems zu finden.
In den verschiedenen Pilotregionen sind unterschiedliche Kriterien wegen der unterschiedlichen Verfügbarkeit von Informationen und Daten herangezogen worden. Und so denke ich, dass die Gesamtheit aller Pilotregionen die richtigen Ergebnisse für das Share-Projekt liefern werden. So wird es sicherlich welche geben, die einen sehr kompletten Datensatz haben, also eine Vielfalt von Kriterien für das Modell gerechnet werden können. Auf der anderen Seite gibt es welche mit wenigen, aber in der Gesamtheit können wir die Vielfalt der Auswirkungen der Wasserkraftnutzung, aber auch der Benefits, die in der ökonomischen Weise entstehen werden, dann sehen. Ja, ich denke, dass die Endaussage der Multikriterienanalyse sicherlich nicht allen Stakeholdern und Endnutzern die richtigen Antworten oder die werden sicher nicht alle zufrieden sein mit dem Ergebnis, aber es ist dann auch nicht die alles entscheidende Situation, die durch das Ergebnis aufgezeichnet wird, sondern es ist nur eine oder es ist eine Darstellung der Vor- und Nachteile dieser Wasserkraftnutzung oder der Nachteile, die vorwiegend vorhanden sind, im ökologischen Sinne zum Beispiel, für das Projekt, das in Planung ist oder für ein potenzielles Projekt, das in Planung ist. Das heißt, es ist ein Instrument zur Entscheidungsfindung, aber muss natürlich dann in weiterer Folge alle Instanzenwege, die in der landesüblichen Gesetzgebung vorgesehen ist, natürlich durchlaufen werden und das wird dann eigentlich die Endentscheidung für den Bau eines Kraftwerkes oder die Verhinderung eines Kraftwerkes sein. Diesen Ausbau der erneuerbaren Energien durch die Wasserkraft kann man durch einen Neubau von Anlagen, die ökologisch strengen Kriterien unterliegen, geschehen. Beziehungsweise man kann auch durch den Umbau, Erneuerung, Renovierung von bestehenden Anlagen eine Zunahme der erneuerbaren Energien gerade bei Interessenskonflikten zwischen der Ökologie und der Wasserkraftnutzung bietet sich so ein Entscheidungsfindungssystem wie die EMCA sehr gut an. Damit kann man Entscheidungen transparenter, durchschaubarer und auch nachvollziehbarer ermöglichen. Es gibt zum Beispiel einige Share Pilot Case Studies, die sich mit der Restwassernutzung befassen. Und durch den Einsatz eines MCA, eines Decision Support Systems, kann hier eine für den Wasserkraftbetreiber sehr gute Lösung gefunden werden oder vertretbare Lösung gefunden werden und auch die ökologischen Randbedingungen dementsprechend garantiert werden. Andere Case Studies, zum Beispiel in Bodendorf, beschäftigen sich mit Stauraumspülungen. Auch hier können durch den Einsatz so eines Entscheidungshilfesystems eine für den Betreiber gute Lösung und auch für die Ökologie eine vertretbare Lösung gefunden werden. Ja, alle Stakeholder wird man nie zu 100% zufriedenstellen können, aber mit Hilfe, vor allem da die Wasserkraftnutzung immer emotional belegt ist, aber mit Hilfe eines Decision Support Systems, eines MCA, kann hier versucht werden,
möglichst gute Lösung, eine transparente Lösung gefunden zu werden und damit auch die beteiligten Stakeholder zufriedengestellt werden. Faire la balance, ou plutôt en français, avoir une approche équilibrée dans la prise de décision concernant des aménagements hydroélectriques repose en fait sur un principe simple et ambitieux à la fois, celui tout d'abord de prendre en compte, de prendre en considération l'ensemble des enjeux et des intérêts locaux qui sont potentiellement impactés par cette prise de décision, puis dans un second temps d'évaluer comment chacun de ces enjeux, intérêts, ce qu'on appelle les critères, sont impactés par les différentes hypothèses d'aménagement. L'approche multicritère est l'outil méthodologique qui nous permet de mettre en œuvre cette approche équilibrée qui prend en compte l'ensemble des enjeux, des intérêts locaux, ce qu'on appelle les critères potentiellement impactés par la prise de décision. L'approche multicritère repose sur une démarche pragmatique qui consiste à décrire pour chacun de ces enjeux comment il va être impacté par chacune de ces hypothèses d'aménagement. Et cet outil nous permet dans un second temps d'obtenir un score de performance global pour chaque hypothèse qui reprend, qui somme et qui prend en compte de manière pondérée la façon dont chaque critère considéré est impacté par chaque hypothèse. L'approche multicritère est un outil parmi d'autres en matière de prise de décision et d'aide à la décision. Il a pour nous deux avantages principaux en matière d'hydroélectricité et de gestion des rivières dans les Alpes, qui sont sa souplesse et sa transparence. Souple parce que, à travers l'approche multicritère, on peut décrire la façon dont chaque critère est impacté par l'hypothèse d'aménagement considérée, avec des données scientifiques très pointues quand elles sont disponibles, mais aussi potentiellement avec une qualification simple de cet impact à dire d'experts ou en consultant les acteurs locaux qui sont représentants ou qui sont défenseurs de chacun des critères. Souple donc dans la façon dont on décrit l'impact sur chaque critère et transparent dans la mesure où on peut en permanence, au cours de la démarche, revenir sur l'impact considéré par critère et raffiner si on trouve de nouvelles données ou si on trouve un autre acteur local qui apporte un éclairage différent. On peut tout à fait refaire tourner le modèle pour prendre en compte un nouvel enjeu, une nouvelle donnée disponible, une nouvelle étude qui apporterait des données ou un éclairage différent sur l'ensemble de la décision à prendre. Évidemment, l'approche multicritère et les outils d'application de cette approche que nous avons développée dans le projet CHER restent des outils d'aide à la décision. Ce ne sont bien sûr pas ces outils qui vont prendre la décision finale, mais ils ont cet avantage de donner un éclairage global et consolidé de l'ensemble des critères considérés vis-à-vis de la décision d'aménagement à prendre. C'est donc un outil d'illustration des différents impacts et des différentes réponses du système considéré à une décision à prendre, cette décision restant évidemment une décision collective, idéalement incarnée par un acteur politique ou public local qui serait responsable du bon équilibre de l'ensemble de ces enjeux au regard de la durabilité du territoire, de la durabilité de l'approvisionnement en énergie, de la durabilité de la gestion et de la bonne santé des masses d'eau et des rivières.
ci sono molti interessi legittimi che ruotano attorno alla risorsa fiume, che fornisce beni e servizi molteplici all'interno dell'arco alpino. Questi beni, questi servizi possono essere quantificati in un modo più o meno semplice, più o meno immediato, e possono essere confrontati tra di loro. Questo tipo di attività, che sostanzialmente fa capo alla sostenibilità dell'uso della risorsa idrica, è attualmente in carico alle amministrazioni locali. E questo avviene più o meno su tutto l'arco alpino. L'analisi multicriterio è una metodologia della ricerca operativa che è stata sviluppata a partire dagli anni 60. È stata sviluppata per aiutare a prendere le decisioni migliori nell'ambito di contesti molto complessi in cui erano in gioco tanti interessi e numerose basi di dati, una situazione di fatto in cui la scelta non veniva effettuata in un modo immediato e facile. All'interno del progetto Share utilizziamo una versione semplificata dell'analisi multicriterio. È un po' come avere a disposizione una bilancia virtuale dove gli interessi dei vari portatori di interesse che ruotano attorno alla risorsa fiume vengono identificati e pesati. È un po' come avere una cassetta degli attrezzi con cui smontare un problema complesso come la sostenibilità della risorsa fiume, scomporla in diversi elementi e pesarli uno ad uno d'accordo con i portatori di interesse di ognuno di questi comparti. La presa di decisione avviene a carico delle amministrazioni pubbliche locali e dei servizi tecnici che sono coinvolti nella valutazione della compatibilità dello sfruttamento idroelettrico. È chiaro che uno strumento come l'analisi multicriterio aiuta i decisori a prendere a scegliere la soluzione migliore e permette di scomporre, un po' come con una cassetta degli attrezzi, un problema complesso in tanti pezzi più facilmente gestibili in modo separato. In ogni caso, il progetto Share propone un approccio metodologico, un metodo, uno strumento che aiuta a prendere la decisione migliore, ma non la prende da solo, non è una slot machine, non è uno strumento che ottimizza la situazione, è un supporto alla presa di decisione, aumenta la qualità delle decisioni che gli amministratori locali possono operare.